Famille, comment vous allez? Moi, je vais parfaitement bien. On va pas se mentir, hein. Actuellement, là, la musique ivoirienne est plus avancée, plus évoluée que la musique béninoise. Le showbiz ivoirien est plus avancé, plus développé que celui du Bénin. Mais en temps réel, normalement, c'est la musique béninoise qui devait être en avant, plus avancée que la musique ivoirienne. Pourquoi? Parce que ceux qui font avancer le showbiz ivoirien, ceux qui font avancer la musique ivoirienne, là, c'est des Béninois qui sont là-bas. C'est des Béninois qui font avancer la musique ivoirienne. Et sinon, on parle avec preuve. Suivez la vidéo du début jusqu'à la fin pour savoir de quoi on veut parler. Ici, c'est actualité béninoise 100%. Tout ce qui se passe au Bénin, si on voit ça, il n'y a pas trop parlé. Likez la vidéo, on s'attrape après ça. Celui qui veut de l'argent, se forme et travaille dur. Prends ta formation YouTube, comment faire des contenus jusqu'à aboutir à la monétisation. Toi qui veux qu'on te crée ta chaîne YouTube, faut nous contacter via le numéro plus 229 51 03 71 79. Ce sera super bien fait. Tu seras payé à la fin du mois par YouTube, c'est super bien. Juste avec ton téléphone et une petite collection, tu as déjà de l'argent. Toi qui veux qu'on te fasse la promotion, la publicité de ta société, de ton entreprise, de tes marques, de tes produits, faut nous contacter. Ce sera super bien fait. Famille, sûrement qu'il y a des personnes, il y a des gens que vous suivez en Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'ils sont des Ivoiriens alors que c'est des Béninois. Beaucoup de personnes qui font avancer la musique ivoirienne, qui font avancer le showbiz ivoirien, mais c'est des Béninois. On se demande pourquoi. Comment se fait-il que tu es Béninois et puis tu laisses ton pays dans cet état? Tu vas t'installer dans un autre pays et puis tu fais avancer et contribuer au développement de la musique. Déjà, cette vidéo n'est pas faite pour comment ils t'ont carré la tête des Béninois et puis des Ivoiriens, non. C'est juste pour faire comprendre que le Bénin là, a aussi sa main dans le développement de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez un peu? Pour ceux qui ne savent pas, Miss Premier, artiste ivoirien, c'est petit comme ça, Miss Premier, c'est un Béninois. C'est un Béninois. Il vient de la même famille que Assel Meril, Sofonou. Miss Premier, là, que vous connaissez là, c'est un Béninois. Willy Dombo, c'est un Béninois. Il vient du Ouida, si je ne me trompe pas, du Ouida. Hein. C'est Willy Dombo qui est un grand animateur en Côte d'Ivoire. Là. C'est un Béninois. Lui-même, il a dit plusieurs fois. Fabrice Aouillon, que vous voyez là, c'est lui qui a la chaîne. De télévision Live TV, si je ne me trompe pas. Hein. C'est lui qui est le DG, le directeur de la chaîne de télévision Live TV. Grande chaîne de télévision qui parle de la musique ivoirienne, des actualités ivoiriennes, tout et tout. Grande chaîne en Côte d'Ivoire. C'est un Béninois qui a créé cette chaîne. C'est Fabrice Aouillon. Il y a aussi Jeff le Béninois qui fait beaucoup pour le showbiz ivoirien. Il y a aussi Venom le Cascadeur qui est un artiste en Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes, beaucoup de Béninois là-bas qui font évoluer le showbiz ivoirien. On se demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est parce que le Bénin est un pays maudit ou bien la Côte d'Ivoire est une terre d'opportunités? On se comprend. J'arrive pas à comprendre, en fait. Beaucoup parmi eux là, ont des mères ivoiriennes. Donc, ce que moi, je veux comprendre, est-ce que c'est les femmes ivoiriennes qui imposent cette loi-là? C'est-à-dire, si tu m'épouses là, on va vivre dans mon pays, en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. C'est-à-dire, quand tu es un Béninois et puis tu épouses une Ivoirienne, est-ce que c'est la femme qui va t'imposer, non, viens vivre dans mon pays, ou bien va rester dans mon pays, je ne sais pas. Sinon, comment se fait-il que vous êtes des Béninois et puis, voilà, ils sont actuellement en Côte d'Ivoire. Si on ne le dit pas, tu ne vas pas croire. Les Miss Premier qui sont là-bas, les Venom le Cascadeur, les, comment ils donnent, Willy Dombo, les Jeff le Béninois, beaucoup. On ne peut pas tout citer, au fait, c'est un peu ça. Si je me demande, la question que je me pose, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce que c'est parce qu'ils ont vu, ils ont constaté que le Bénin ne promet pas ou bien, voilà, ou bien, ils n'ont pas de l'amour pour le pays? C'est pas pour créer de la reine. Dites-moi simplement comment est-ce que vous pensez de ça. Parce que regardez l'état du showbiz béninois, l'état de la musique béninoise, et regardez là-bas en Côte d'Ivoire. Famille, moi, ça me dérange un peu. Je me demande à qui je passe réellement. Peut-être qu'ils sont nés là-bas. Il y a certains qui sont nés là-bas parmi eux. Parce que je pense que Willy Dombo a dit que lui, il est né là-bas. Hein. Mais il n'oublie pas. Il n'oublie pas son pays. Mais il est là-bas actuellement. C'est, voilà. On le connaît en tant qu'Ivoirien là-bas. Hein. C'est un animateur. Ivoirien tranquille. C'est un peu ça. Il y a même, c'est pas seulement dans le showbiz, bien dans la musique que ça se passe. Hein. Il y a aussi un gars, un footballeur là, béninois. On l'appelle même Collins ou bien quoi, Dagba. Lui, il joue pour un pays là. C'est un Béninois. Hein. On l'appelle pour l'équipe nationale, il dit que non. C'est-à-dire que c'est comme il voyait que, au fait, le domaine n'est pas encore évolué, la musique ou bien le football béninois n'est pas encore à un niveau donné là. Il fuit. Est-ce que si tout le monde fuit le pays là, le pays va se développer? Si tout le monde quitte le showbiz béninois pour aller s'installer en Côte d'Ivoire par exemple, est-ce que un jour le showbiz béninois va se développer? Famille, moi, c'est pas vous dire que j'aime pas la Côte d'Ivoire. Hein. J'aime la Côte d'Ivoire, j'ai vu aussi là-bas.
tranquille. C'est quoi, je ne comprenais plus. Mais je ne vais pas abandonner mon pays. Moi, je suis un Béninois. Je ne comprenais plus. Je ne vais pas abandonner mon pays parce que j'aime la Côte d'Ivoire ou bien parce que je vis en Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? Je ne comprenais plus. Ce que moi, je veux qu'on fasse là. Les Béninois, si tu aimes vraiment un Béninois, si tu aimes un Béninois, puis tu aimes vraiment le Bénin là, on doit tout faire pour faire développer, pour développer la musique béninoise, imposer le showbiz béninois, pour que ceux qui ignorent, ceux qui sont des Béninois, puis ils ignorent leur pays là. Ceux qui pensent que un jour le showbiz béninois peut plus développer là, on doit leur montrer que on est aussi capable de faire ça. On doit aussi leur montrer qu'on est capable de faire évoluer la musique béninoise, d'imposer la musique béninoise, d'imposer le showbiz béninois. C'est notre combat ça. Parce qu'on ne va pas dire, man, on va pas dire à quelqu'un, hey, Fernand, viens ici. Hey, Willy Dombo, viens ici. Non, c'est leur vie, hein, pour y être tranquille. Ils ont choix, ils ont fait leur choix. Mais c'est à nous maintenant de travailler, d'imposer la musique béninoise. Hey, mon pays aussi là. Ils sont derrière là-bas. Hein. C'est impuissant. En tout cas, dites-moi comment c'est. C'est quelque chose qui m'a vraiment un peu tourné la tête ce matin. Donc, j'ai voulu juste passer avec vous, voir ce que vous avez dit. Vous voyez ça, c'est impuissant. Beaucoup de Béninois qui sont en Côte d'Ivoire, qui font avancer la musique ivoirienne, showbiz ivoirien. Voilà, bien à l'aise là-bas, qui crée même des chaînes de télévision, alors que vous venez ici là, c'est la télévision que tu vas voir. Toute la famille, ici c'est actualité béninoise 100%, tout ce qui se passe au Bénin, c'est ça. Toi qui veux te brancher un instant de tout ce qui se passe au Bénin, faut t'abonner, active la cloche de notification, il n'y a pas encore de chaîne. C'est la seule chaîne qui parle des actualités béninoises. Toi qui veux connecter ton compte TikTok monétisé pour nous contacter le numéro à la plus 229-51-03-71-79, tu seras super bien fait. Partagez la vidéo de vos champions. Grâce.